Numéro 5. Il se distingue par sa grande portée, entre deux motocyclistes, il atteint 1600 mètres, et en faisant le tour en groupe, vous pouvez parler jusqu'à 15 motocyclistes avec une portée d'environ 8000 mètres entre le premier et le dernier. La qualité du son est excellente et il tient très bien la route, même à des vitesses supérieures à 120 km par heure. La batterie peut durer jusqu'à 13 heures. Son fonctionnement est pratique, la configuration des boutons est simple et pratique. Il est résistant à l'eau et à la poussière. Radio intégrée, connexion GPS, vous pouvez écouter de la musique MP3 et la partager avec d'autres motocyclistes, vous pouvez également faire de même avec un appel téléphonique. Il est doté de la commande vocale, ce qui vous permet de commander directement avec votre voix pour plus de confort et de sécurité. Le prix de cet article peut être consulté sur le lien dans la description. Numéro 4. Les qualités générales sont bonnes, avec un son clair que vous parliez à votre copilote ou à un autre pilote, tant qu'ils sont dans un rayon d'environ 1000 mètres. Vous pouvez également communiquer avec 4 personnes simultanément, ce qui est idéal si vous voyagez en groupe. Dans ce cas, la portée est de 2000 mètres entre le premier et le dernier pilote. Il est certifié IP67, étanche à l'eau et à la poussière. La batterie dure environ 12 heures en performance maximale, avec des fonctions telles que l'écoute de musique MP3, la connexion à votre smartphone pour passer ou recevoir des appels ou utiliser le GPS. Il intègre également une radio. Trouvez le lien Amazon pour ce produit au bas de la description. Numéro 3. Cet intercom EGA V6 Pro est un produit conçu pour les motards exigeants, qui recherchent un appareil permettant de converser avec jusqu'à 6 personnes différentes. Ce modèle dispose d'une fonction full duplex, qui vous permet de parler et d'écouter de la musique en même temps. Il dispose d'une option permettant de répondre automatiquement aux appels entrants et de rappeler le dernier numéro inscrit sur le smartphone. Il est doté d'une puissante batterie de 850 mAh qui permet 12 heures de fonctionnement et jusqu'à 400 heures d'autonomie en veille. Il vous permet d'effectuer un appel entre des motocyclistes situés à une distance allant jusqu'à 1200 mètres en terrain ouvert. Il dispose d'un système intégré haut de gamme qui réduit efficacement le bruit à des vitesses allant jusqu'à 140 km par heure. Trouvez le lien vers cet article dans la description. Numéro 2. L'autonomie de la batterie est d'environ 12 heures, ce qui est plus que suffisant pour animer un long voyage avec votre vélo. Avec cet interphone, vous pouvez parler à votre compagnon, écouter de la musique, utiliser le GPS et recevoir ou passer des appels téléphoniques avec votre smartphone. Le son est bon lorsque vous parlez avec votre partenaire ou d'autres motocyclistes, mais à partir de 100 km par heure, il commence à perdre de son efficacité. Notez que vous pouvez le faire avec plusieurs à la fois, ce que vous apprécierez si vous avez l'habitude de rouler dans un groupe de plusieurs motocyclistes. La distance approximative de connexion est d'environ 2 km, ce qui vous permet de tenir des conversations avec des compagnons de voyage même éloignés. Achetez ce produit avec le lien dans la description. Numéro 1. L'intercom Senna est un appareil qui fonctionne dans toutes les conditions météorologiques. Le modèle est étanche, vous pouvez donc l'utiliser sous la pluie. Il dispose d'un système intégré qui vous permet d'effectuer une correction automatique du bruit et la possibilité de le contrôler via des messages vocaux. Il permet une connexion simultanée avec un smartphone, un lecteur MP3, un navigateur et d'autres appareils de communication. L'appareil a une portée allant jusqu'à 700 mètres et vous permet de passer des appels pendant 7 heures avec une seule charge. Il reste en veille pendant 7 jours. Le temps de recharge de la batterie au lithium polymère est de 2,5 heures. Si vous voulez connaître le prix de ce produit, cliquez sur le lien dans la description.